Bonjour tout le monde, bienvenue sous Espace ça. Nous portons pour vous, eh bien, analyse de yon article qui sorti dans Miami Herald. Et journaliste qui écrit article ça, c'est Bernard Fizeme. Monsieur, justement, a analysé dossier Sojourner là. En fait, nous voulons rappeler l'importance ça gagne lorsque yon journaliste comme Miami Herald a écrit des articles sur ça qui a passé en Haïti. Ça veut dire qui ça, message ça yo. Eh bien, autorité par bon ici, l'IO, l'I servir une sorte d'influence pour comprendre ce qui a passé dans le pays, elle a décidé tout. Et pas oublier que dans le pape dernièrement, lorsque tu as un député au niveau de comité affaires étrangères, tu as le département d'État, tu as posé des questions, tu as basé sur des articles qui sont dans le New York Times, Miami Herald. Ça veut dire, nous parlons ensemble, qui Jean Miami Herald aurait causé. Et président Jovenel Moïse dit li avec Sojourner. Mais ça yo dit. Article la titre comme ça. Yo dit que président Jovenel Moïse eh bien prend direction pour le passer sous pied, piétiner système judiciaire en Haïti. Yo dit que président qui a fait face avec un pi mauvais problème économique, crise politique que pays a pas jamais connaît. Président Jovenel Moïse a essayé présenter tête li kounia comme yon santa rele yon véritable réformateur yon moun kap fè changement. On est que pou ta taclé problème que pays a fait face. Et bien ces derniers jours li mette accent, li mette direction toute force politique li yo sou secteur business, notamment secteur énergétique là que li présenté comme racine, cause de tout problème pays a fait face. En clair, journal avait dit que Jovenel Moïse voulait faire tout le monde croire que racine, tout problème pays a, journée jodia, c'est justement secteur énergétique là qui cause lui. Eh bien, pour le capable réaliser justement mission ça, article la cap continue pour dire que de manière arbitraire, Jovenel Moïse a utilisé autorité de l'État, autorité judiciaire yo, pour le capable faire santarele de gain politique. Ce faisant, monsieur a conduit pays à eh bien dans une direction de dictature, puisque li transforme dispute des accords commerciaux qui gagnent. Comprenez bien ça qu'on dit là. On a parlé de transactions commerciales. Vous pouvez comprendre que M. Tourné Bagala non causé criminel. D'abord, enfin, nous voulons comprendre ça, auteur là, peut comprendre. Parce que, en d'autres termes, vous voulez présenter dossier contrat qui gagnent entre justement deux entités. C'est une transaction commerciale. Li pas nécessairement un bagage criminel. C'est ça à faire comprendre. Parce que je dis que monsieur transformer des désaccords, puisque nous rappelons, c'est des désaccords qui n'ont pas gagné entente entre deux acteurs qui ont signé l'accord là. Mais je vous dis, vous faites comprendre que Jovenel Moïse transforme comme quoi c'est un bagage criminel. Et on dit que l'a essayé faire une distraction pour le détourner. Public haïtien de un gouvernement désastreux qui pas bas résultat qu'il a dirigé. Nous toujours dans l'article ça qui sorti dans Miami Herald. Président Jovenel Moïse de manière publique li ces derniers jours attaqué producteur d'électricité e-power et Track Sojourner. Mais on dit on met de côté e-power et Track parce que nous pas presque tendé ou même n'a dit surtout c'est Sojourner. Président Jovenel Moïse a utilisé ZAM appareil l'État et appareil justice là de manière dangereuse. Président Moïse a utilisé division sociale tant que ti noir ti rouge pour le capable justement politiser justement problème qui gagne dans le pays.
côté que la transformer des investisseurs, faire retourner des criminels. De manière arbitraire, lui ordonner la fermeture de contrat et lui ignorer toute bagaille qui t'a de manière légale qui t'a supposé faite dans le cadre de résolution de conflit dans contrat qui gagne entre le secteur privé avec l'État, convention internationale là justement empêcher que vous t'affrontez bagaille comme ça. Aveuglé par problème et donc en fait, il y aveuglé par le fait que un ensemble de monde qui pas content Jean pays a marché à mais conseiller politique lio justement yo pas apprécié yo pas apprécié justement le fait que gen des monde qui dans secteur énergétique là qui pas marché avec tout qui t'a demandé pour l'aller. Donc journée jodi a gouvernement là yo normalement lancé ça t'a relé des mandats d'arrêt notamment contre Sogener, bien que yo di gen E-Power et Track. En pile moun di, l'opre et Track son société américaine niye, et pas bien m'di l'an, ok? Ou pas bien m'wè, et comme Sogener la son société haïtienne, en fait, plus ou moins après apatakil, mais yo dou pas besoin pe. Sa kap fait la, de respectant kap fait la, yo pas bien m'fè la avec E-Power, yo pas bien m'fè li avec et Track. Yo pas bien m'mande pour arrêter. Et pas bien mandé pour arrêter personne moun nan et Track, personne moun nan Ipare. Parce que vous connaissez besoin avec Zo Green yo. Donc vous voyez mandat d'arrêt by responsable Ipare, madame Rival, ou ensemble de l'autre monde qui était là les contrats ça t'a signé. Bien que la justice justement mandé pour mettre et mandat d'arrêt ça yo on hold. Yo mandé pour camper mandat d'arrêt ça yo. Et bien ça pas empêché que pouvoir la décider à plus loin faire bagarre qui plus grave que s'il te mette moun sa yo dans prison bloquer tout compte yo donc moun sa yo qui lagué des bras balancés dans moment là donc crise là en fait toujours d'après article là Jovenel Moïse d'après sa auteur l'a dit a cherché masquer incapacité que le gagner pour le résultat elle la gouverner. La pièce masquée pour mettre toute bagaille sous cause secteur énergétique là, toutes ces sous cause Sogener. Comme quoi, tout problème pays d'Haïti dans le moment, c'est Sogener qui cause. Jovenel Moïse, d'après auteur là, petit à petit, voulait tourner nous derrière dans un système autoritarien, un système de dictature. Et système judiciaire là on ti jan pris en otage puisque si justice dit yo mette mandat d'arrêt en hold pourtant action qui t'a fait pour mettre poser scellé sous sa moun sa yo posséder. S'il est vrai que hôtel a reconnaître effectivement bien nécessité pour yon ta révisé tout contrat, repenser justement tout secteur énergétique là en Haïti, pour ta capable créer de meilleures conditions, pour capable gagner de meilleurs investissements. Gen nécessité pour yon repenser, notamment EDH en tant qu'institution, qui avant même arrivé, moun sa yon konnen que le pat ka fonctionné, jan ta, il pat ka rentable, il pat ka produit, notamment au niveau de clientèle là, au niveau de marketing yon, faut yon repenser. Mais yon fait comprendre que l'inacceptable pour yon quitter yon pouvoir a fait travail ça avec des secteurs industriels pendant que non Jovenel Moïse cite 69 points dans le rapport Petro-Caribé. Pendant que madame ni accusé li gen des contrats illégaux avec Dermalog, firme européenne ça pour yon créé, eh bien, 4 de vote d'identité pour haïtien. Malgré ça, pas jamais rien qui prend dans sens ça. Auteur la conclu article là pour dire que Jovenel Moïse comme entrepreneur pas supposé oublier appareil judiciaire là que la PCI craser jodi a. Et bien un jour
ka toune kont li. Paske gen pil zak ke yo akuse li nan kad entrepreneuriat et ke sa ou gen vin toune kont li. Fòl pa bliye sa. Yo fè comprendre ke les États-Unis ainsi que Nations Unies ki ap gen sa ou rele des organisations de droits humains en Haïti ta suppose opiner sou comportement autocratique, comportement dictatorial, excès de pouvoir que pour Jovenel Moïse a fait dans un moment. Donc voilà, c'est en substance pratique ça qui sorti dans Miami Herald jeudi 7 décembre 2009 là et au clairement titré que Jovenel Moïse a cherché passer en papier système judiciaire haïtien. Une analyse que nous avons fait déjà parce que nous-mêmes n'a pas essayé logique, n'a pas essayé faire la part des choses. Nous-mêmes comme c'est pas haïtien, pensez que tout le monde a supposé dire c'est le bagage là. Ben nous un contrat. Yeah, nous qu'on lit tout. Nous besoin un contrat courant. Nous voulons faire équilibre. Nous besoin well. Nous besoin qu'on ait combien cob. Yo dit l'état doué combien l'état doué se génère. Pour nous-mêmes tout nous prend position nous. Parce que bon bagage faut suspendre. Voyez, parce que je dis, moi souvent que j'entends, monsieur c'est Makout, monsieur c'est Lavalas, monsieur c'est PHTK, qui ça encore? Monsieur c'est Ti Rouge, monsieur c'est Ti Noir, ou bien, monsieur c'est Vaudou, Vaudouisant. C'est étiquette na bay moun. L'île pour nous suspendre bay moun étiquette que nous chita sous feu, tête reposée, sans voyer monter pour analyser yo. Pour ne pas juger Mounio avant même que nous allions dans les faits. Yon bagay ke certain, yon pile moun nan peyi a ka mérite pran kòd nan moment. Yon pile moun nan peyi a ke yon ta mérite bloke kanè, yon ka fonctionne normalement. C'est ça pour nous dire. Yon bon moun la, ki te passe dans l'état, directeur ministre, ka psikile libe, et pendant ce temps, c'est un investisseur que vous choisi. Nous senti que gagnons un poids de mesure. Nous senti que c'est pas encore justice qui a parlé là. Et nous pensons que faut prononcer tout ça. Donc, bon Dieu, nous là pour vous. Analyser, commenter tout ça qui a passé en Haïti. C'était un plaisir pour nous avec vous. Portez-nous tout bien.